Yo, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part en ce moment ça va vraiment parfaitement. Voilà, donc on se retrouve comme tous les vendredis pour la vidéo de Xur. Donc je vais vous montrer tout de suite son emplacement. Donc voilà, vous réapparaissez, vous allez tout droit. Et il est juste ici en bas à gauche à côté de du robot qui vend les armes pour le PVP. Donc voilà, il est ici. Salut à toi mon petit Xur, donc on va voir ce que tu vends pour cette semaine. Donc pour cette semaine Xur il vend uniquement des torses. Donc voilà, donc pour la classe des titans, un torse vraiment boosté en discipline qui va vous permettre de porter une grenade supplémentaire et d'augmenter la capacité en munitions des armes lourdes et des armes spéciales. Pour les chasseurs, donc un torse également, mais beaucoup plus chargé en force celui-ci, qui va permettre de réanimer vos alliés beaucoup plus rapidement, d'augmenter la capacité en munitions des armes spéciales et des revolvers. Et enfin, pour les arcanistes, un torse qui lui aussi va privilégier la force, qui va vous permettre d'augmenter la capacité en munitions des revolvers et des armes spéciales. Et aussi, lorsque vous avez sélectionné la grenade qui s'appelle la décharge d'action, et bien celle-ci sera déjà un petit peu rechargée lorsque vous réapparaîtrez. Voilà. Donc tous ces torses valent 13 pièces étranges. En ce qui concerne l'arme de la semaine, donc c'est un fusil à fusion qui s'appelle le plan C, qui va vous coûter 17 pièces étranges. Donc ces caractéristiques sont que le délai de rechargement et de prise en main sont nettement réduits après avoir changé d'arme. Et la précision de cette arme est améliorée lors des tirs à la hanche. Voilà. Si vous voulez mon avis sur cette arme, parce que je l'ai depuis un moment, je l'ai eu en nuit noire, et bien c'est pas une arme indispensable. Voilà. Donc si jamais vous faites la collection des armes exotiques, gardez-la, prenez-la. Mais si jamais vous avez peu de pièces étranges, je ne vous conseille pas d'aller les dépenser dans cette arme-là. Je vous conseille plutôt de prendre un fusil à fusion légendaire qui sera tout autant efficace. Voilà. Et enfin, donc, pour 23 particules de lumière, vous avez un engramme exotique de gantelet. Cette semaine, Xur, avec les télémétries, va vous permettre d'améliorer beaucoup plus rapidement les fusils à impulsion, les fusils à fusion et les lance-roquettes. Donc, ces objets valent une pièce étrange. Et enfin, ils vendent aussi des améliorateurs, pour les passereaux. Donc, il y a le moteur à plasma et l'hélice émeraude. Voilà, donc vous pouvez vous apercevoir qu'en fait, Xur ne vend plus du tout de cartouches violettes. Donc heureusement, moi, j'ai fait le plein il y a 3 semaines, je crois, parce que ça fait 2 semaines qu'il n'en a plus. Mais oui, voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça coûte vraiment cher en lumen. Mais il me semble que le prochain personnage qui arrive, donc Eris, en vendra. Donc voilà, on verra plus tard. D'ailleurs, moi, j'attends vraiment le prochain DLC avec impatience. Quant à moi, bah voilà, je vous laisse à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que vont Xur dans les commentaires. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Ciao tout le monde!